qu'on avait envie de tester l'application Tukutubo. Parti! Hello, hello! J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit vlog de notre week-end à Toronto. Ça va être un week-end assez tranquille, mais j'avais quand même envie de vous emmener dans notre petit quotidien ici. Et ce week-end, du coup, vu qu'on reste à Toronto et qu'on n'a pas grand-chose de prévu, on avait envie de tester l'application Tukutubo. C'est du coup l'application où vous pouvez récupérer des paniers chez les commerçants et les restaurants de proximité pour sauver du coup les invendus du jour. Et je trouve ça vraiment trop cool. C'est une application qui est bien sûr disponible en France, mais qui est arrivée au Canada assez récemment. Donc voilà, j'avais envie de la tester ici parce que j'avais l'habitude de l'utiliser quand même en France. Je sais qu'à Lyon, là où on était avant, d'ailleurs coucou les Lyonnais s'il y en a par ici, il y avait pas mal de choses sur l'application, notamment des boulangeries, des restaurants qui étaient juste à côté de chez nous et même des supermarchés qui avaient des invendus qui allaient périmer. Et du coup, on récupérait quand même assez souvent des choses avec Tukutubo. Donc voilà, j'avais envie de tester ce concept-là à Toronto. De ce que j'ai vu, il y a pas mal de choses aux alentours de chez nous, mais c'est principalement des boulangeries et toute la section un petit peu boulangerie, même des supermarchés qu'il y a ici. On va aller en récupérer un tout de suite que je viens de commander et je vous emmène avec moi du coup pour cette petite aventure dans Toronto. J'espère que ça va vous plaire et puis voilà, vous allez nous suivre tout au long de notre week-end qui sera à base de cuisine, de petits plats et de moments de qualité au final, tranquille. Je vous embarque avec moi, on part tout de suite chercher mon premier Tukutubo. J'espère qu'il y en aura d'autres d'ailleurs ce week-end. Allez, c'est parti! Et voilà, après quelques minutes de vélo, nous voilà arrivés devant l'endroit où je vais récupérer mon panier. On est à Summer Hill Market. Je sais pas si vous connaissez, c'est une chaîne de supermarché qui est trop stylée. On a déjà pris des paniers ici, donc j'avoue que ça va pas vraiment être une full surprise. Mais voilà, j'aime trop venir ici et c'est trop cool de pouvoir tester les nouveaux produits avec les paniers Tukutubo du coup. Donc on va aller les chercher tout de suite. J'ai hâte de voir quand même ce qu'ils nous réservent. Et voilà, j'ai affronté la météo un peu chelou. Il fait à la fois soleil, à la fois une neige. Enfin c'est vraiment les giboulées de Mars à fond. Donc voilà, on va aller chercher notre panier, c'est parti. Bon, nous voilà de retour à la maison. J'ai mon panier Tukutubo juste ici. On va l'ouvrir ensemble. J'espère qu'il va y avoir des viennoiseries pour ce matin parce que j'avoue qu'on a un peu attendu de prendre notre petit déjeuner juste pour ça. Donc bon, d'habitude, il y a quand même des super viennoiseries de la veille en général, mais qui sont encore super bonnes. Donc là, on va voir. Oula. Alors, une ciabatta aux olives. Bon, bah ça, pour un apéro, ça peut être pas mal en vrai. Ensuite, on a un pain de mie qui est plutôt gros quand même. En vrai, c'est pas mal parce qu'on mange pas mal de pain de mie, soit pour des sandwichs quand on part en week-end ou quoi, soit même des fois en les toastant pour le petit déjeuner ou pour accompagner de la soupe le soir, donc c'est quand même pas trop mal. Bon, j'avoue que j'aurais préféré des viennoiseries, mais bon, on ne choisit pas dans les paniers Tukutubo, c'est un peu ça aussi le concept du panier, donc voilà, c'est des surprises. Mais voilà, ça je pense qu'on va pouvoir le congeler. Au final, le congeler c'est très bien, ça se conserve très bien aussi. Et le dernier truc, c'est des butter tarts. Ouais, c'est ça. Du coup là c'est des butter tarts, c'est des petites tartelettes du coup avec
une préparation à base de sirop d'érable et de beurre. Ça, pour le coup, je suis pas sûr qu'on va les congeler parce que je sais pas trop ce que ça va rendre une fois congelé et décongelé. Donc voilà, pour 6$, j'ai ces trois choses différentes. D'après l'application, j'ai économisé 12$ avec tout ça. Je les ai payés du coup que 6$, donc c'est quand même plutôt pas mal. On a pris quoi? Un café et un green tea. Où ça? À IKEA. Ici. Parce que tout ce qui est gratuit est pas cher. Hello! On est du coup dimanche. On va aller récupérer un Too Good To Go aussi et se balader un petit peu dans le Greek Town. Donc je vous emmène, c'est à l'est de Toronto. Et je trouve que c'est un quartier qui est quand même assez sympa, avec plein de petites boutiques et plein de petits restaurants de spécialités en général grecques du coup. Je pense que c'est la première fois que je vous montre Greek Town dans un vlog. Donc c'était la bonne occasion je trouve. Et on a trouvé du coup un petit panier Too Good To Go dans un restaurant grec par là-bas. Donc j'ai hâte de voir ce qu'il nous réserve. Et voilà, je vous emmène tout de suite, c'est parti! Il faisait grand soleil, 6 degrés il y a 5 minutes. On était en Grèce quoi, on se sentait vraiment bien au chaud. Et là, je sais pas ce qui se passe, tempête de neige. C'est vraiment la définition des giboulées de Mars en action quoi. Là, c'est, je peux pas faire plus.
Sérieux quoi, de la neige, à la limite de la pluie, ok, mais... Oh là là. A few moments later. Et voilà, je vous l'avais dit, on arrive vers chez nous et il fait grand beau. Allez comprendre cette météo, franchement, moi j'arrive pas à l'expliquer, hein, j'arrive pas à comprendre. Mais c'est pas grave, on a fait une belle balade, c'était quand même sympa. Notre Togo c'était un gros fail. Puisque en fait on n'avait pas regardé, mais on devait récupérer le panier à 11h du soir et non pas à 11h du matin. Du coup le mec nous a regardé en mode mais qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce qu'elle fait là celle-là? Et on a annulé le Togo, donc voilà. Bon, il fait un peu gris et du coup un peu sombre, mais je vais vous montrer quand même notre nouvelle date de salle à manger. Je sais pas si vous avez suivi sur Instagram, mais il y a quelques jours, voire même semaines du coup, je suis allé chercher des chaises à travers la ville, parce qu'on les a trouvées sur Marketplace à différents lieux du coup. Et je les avais postées en story et je voulais vous montrer du coup le résultat que ça donne. On a du coup trouvé notre nouvelle table et les chaises sur Marketplace. Et franchement je suis trop content, ça donne un côté très cool et un peu plus vintage à la pièce. Et je suis vraiment content d'enfin avoir des meubles qui ne sont pas des meubles Ikea qu'on voit partout. Parce qu'au final je trouve que tout le monde a les mêmes intérieurs, encore plus quand c'est des intérieurs blancs comme vous voyez juste derrière. Donc là au moins on a un peu plus de personnalité et j'aimerais vraiment que notre appartement ait un peu plus de touches comme ça vintage et un peu plus de personnalité. Donc ce n'est que le début de nouvelles pièces déco que j'aimerais chiner à droite à gauche. Je vous emmènerai peut-être d'ailleurs une fois si vous voulez dans un vlog un peu plus friperie slash brocante ici à Toronto pour essayer de trouver des nouvelles petites pièces déco assez cool. Mais voilà, je vais vous montrer tout de suite la table et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et voilà, c'est sur ces belles petites images que je vais vous laisser. On a passé l'après-midi à faire de l'administratif, que ce soit pour nos vacances en France qui arrivent très bientôt, ou même pour d'autres projets que j'ai du coup avec Rems Away. J'espère que ce format sur un week-end vous aura plu. Je voulais aussi vous montrer que bah voilà, on n'est pas tous les week-ends en vadrouille, on n'est pas tous les week-ends dans un chalet magnifique, on n'est pas tous les week-ends en camping, voilà. C'est aussi normal d'avoir ce genre de week-end un peu plus slow et je voulais aussi vous en parler ici. On a tendance à beaucoup voir des choses sur les réseaux sociaux, mais je voulais aussi montrer qu'on peut avoir des week-ends beaucoup plus chill et c'est très bien. Ça vous fait plaisir, c'est le principal et nous ça nous a fait plaisir de passer un week-end un peu plus chill avec des moments un peu plus simples, de la cuisine, des amis. D'ailleurs j'ai même pas filmé hier soir, mais voilà, on a passé la soirée avec des amis, c'était vraiment trop cool. Juste des moments un peu plus tranquilles et de qualité avec des gens qu'on aime, et c'est ça le principal. Voilà, n'hésitez pas à me dire d'ailleurs ce que vous aimez faire le week-end et si ça vous a plu ce genre de format, parce que j'aime bien vlogger aussi mon quotidien et ma vie, mais c'est vrai que des fois je me demande si c'est vraiment très intéressant et très pertinent pour vous. Donc n'hésitez pas à me faire un retour à ce niveau là en commentaire et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur la vie au Canada. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bye!